C'était un test. صار الوقت وجيت ما لقيت في حدا صار بهالمدى وراحوا وشو قالوا القصايد رح نبقى سوا حتى الشاعر فل لما حروفه مل صورة بدها ضو انت وانا الضو فرقونا كتير وكسرونا كتير دلونا هجرونا صدرونا فرزونا وضحكوا علينا ذلونا هجرونا صدرونا خرزونا وضحكوا علينا حتى الشاعر فل لما حروفه مل صورة بدها ضو انت وانا الضو انا وعم تبهدل انت دافع عني وانت وعم تتبهدل أنا بدافع عنك بهدلتونا شرشحتونا وعملتونا شحادين بهدلتونا شرشحتونا وعملتونا شحادين نقطة صغيرة الفرق هني بدهم نتلافى يا لبنان الإله نحنا بدنا نتلاقى Irada, je suis, comme tu le sais, en compagnie de Marie-Laure, que tu connais bien. Marie-Laure, c'est toi qui as découvert cette magnifique chanteuse. Oui. Tu peux nous dire juste ce qui t'a touché? Sa voix. Sa voix. Bah, on est tous touchés, alors c'est pareil. Et puis Dominique Bourg, bien sûr, le philosophe, l'homme dont on parle beaucoup aujourd'hui, lorsqu'on évoque le réchauffement climatique, lorsqu'on évoque les menaces qui pèsent sur notre planète. Et puis moi, je voudrais juste que tu nous dises quelques mots, Rada. Quel est le climat à l'heure actuelle au Liban? Avant tout, j'ai l'honneur d'être avec vous, Marie-Laure, Dominique et Jean-Philippe. Ça fait 2 mois que je rêve de cette rencontre live au Château Mercier, dans les rencontres Orient-Occident. Je lis, j'écris, j'efface, je compose, je chante, j'invente une société qui me ressemble comme une musicienne et être humain de partout dans le monde. Malheureusement, la guerre et les massacres israélo-palestiniennes et comment ils peuvent se développer et peut-être avoir des répercussions, surtout au Liban, comme ça se passe maintenant. Je viens de savoir qu'ils sont en train de tirer sur, de lancer des missiles de la part du Liban et de la part d'Israël. Et combien ils peuvent durer me font trop peur de quitter le pays et m'ont fait revivre la guerre de 2006, un triste jour où j'ai perdu mon père. Surtout que notre pays maintenant est déjà handicapé dû à la crise économique, politique et sociale la plus flagrante au monde depuis 2019. On est pris en otage par un État confessionnel qui ne fonctionne plus et un système politique et bancaire qui ont volé tout le peuple et restent au pouvoir. Tout simplement, si je voyageais et que je dois rester chez vous par force majeure, ma carte de crédit libanaise ne fonctionne pas. Je suis devenue tout simplement citoyenne libanaise a cappella, comme tous les Libanais. La situation aujourd'hui est toujours tendue comme depuis quelques jours. Je sais que les écoles dans le sud ferment demain ou bien à partir de demain et que les gens là-bas sont les plus anxieux.
Dans l'absence de l'État au Liban, les citoyens et les citoyennes vivent par pur hasard et dans une jungle. Je pense toujours à notre pays et le Moyen-Orient qui vit dans l'incertitude depuis mon enfance. C'est comme l'incertitude qui est une variation musicale et intègre à l'espace vivable humain. Mais lorsque cette incertitude devient violente et inhumaine et qu'elle soit basée sur la religion seule, elle devient inacceptable. Et c'est là le rôle de la musique qui se présente comme urgent pour qu'on n'arrive pas à des situations pareilles. Guerre, massacre, humiliation. Surtout lorsque la communauté internationale, pendant 16 ans, s'est tenue à l'écart du scénario inhumain écrit pour Gaza. La musique est un langage universel qui parle aux émotions en premier. C'est un cadeau du divin qui rassemble des gens de partout, de nationalités et d'horizons différents autour d'un moment commun d'extase. La musique est un rituel non violent qui aide à réinventer l'espoir, à régénérer la confiance entre citoyens et citoyennes du monde et l'autre. Et comme a dit notre grand poète Ounsi Al-Hajj, il n'y a rien parmi les arts qui ressemble à la religion comme la musique, pas même la poésie au sens littéraire. Mais c'est une religion sans punition, sans frontières et sans ennemis. Et son extrémisme accroît la liberté. Je suis très fière ce soir d'être avec vous, même par Zoom, pour chercher ensemble cette nouvelle société influencée par la musique, où on devient tous sensibles au battement d'un même rythme ou d'une série de rythmes venant de plusieurs pays, ayant une même vision, loin des tambours de guerre et bien dirigée par un chef d'orchestre à qui on fait confiance, pour la seule raison, changer le système qui nous crache et nous détruit. Peut-être il est temps de créer un nouvel alphabet qui nous unit tous, partout dans le monde. Il nous faut de toute urgence de nouvelles lettres qui remplaceront la lettre déconnectée de la réalité et l'autre qui déforme la réalité, ou bien celle qui se cache derrière la réalité et celle qui préfère habiter une réalité fictive, et les autres plus nombreuses qui s'adaptent à toute situation aussi impossible soit-elle, ainsi que toute autre lettre avec leur tête basse et qui ont honte de faire partie de tous les discours banals dans le monde. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Merci pour votre invitation. Dominique Bourg, qu'avez-vous envie de dire à Rada maintenant? C'est difficile parce que là où elle est en ce moment, on nous a montré tout à l'heure, Rada, vous ne l'avez pas vu, mais des images à la télévision où on voyait justement le bombardement au sud du Liban. Alors c'était de nuit déjà, hein, donc Rada nous a dit qu'il y avait une forêt, on voyait en feu avec un feu intense. La guerre, c'est tout d'abord la séparation, c'est ensuite l'incompréhension, suivent la haine. Et derrière, la violence. Et comme elle vient de vous le démontrer, la musique, c'est rigoureusement l'inverse. C'est ce qui nous unit, même si on a le texte, même si on n'avait pas le texte, par sa voix, par son chant, passe des choses qu'on comprend. Et évidemment, il n'y a aucune haine, c'est l'inverse. Il y a un sentiment de rassemblement, eros au sens grec du terme, hein, Dieu qui relie. Et en fait, même si on ne connaît pas la culture de quelqu'un, même si on ne connaît pas sa langue, quand on l'entend chanter, il y a une humanité commune qui sourd, qui apparaît. C'était très fort dans ce cas. Le chant tout à l'heure de Rada, ben, ce que j'ai envie de lui dire, c'est... C'est facile, nous ici, il n'y a pas de bon, mais en tout cas que l'on entend son inquiétude, on entend sa peine, on entend l'inquiétude et la peine qui embrassent aujourd'hui toute cette région, avec une partie des populations, elle nous l'a dit tout à l'heure hors micro, qui sont des fous, qui tuent pour tuer. Et voilà, il y a cet espoir qu'elle nous fait entendre, et merci Rada. Marie-Laure, juste un mot, parce qu'on a pas mal discuté, hein, savoir si par rapport à ce que va nous raconter Dominique Bourg de l'état du monde et la musique, ça n'était pas un peu dérisoire. Et tu t'es bien battu, parce qu'on est là, hein, quand même.
Mais donne-moi juste une ou deux clés. Mais tu m'ôtes les mots de la bouche. Ah bah je suis heureux alors. Dis-moi, vas-y. Précisément, c'est le sentiment que j'éprouve en apprenant effectivement cette troisième explosion, cette troisième guerre qui éclate et la peur de l'enchaînement d'un engrenage infernal qui nous guette tous, surtout à l'ombre, comme tu dis, des règlements climatiques et autres. Qui nous risque de précipiter et d'accélérer encore plus tout ça. Donc, à quoi servent les rencontres Orient-Occident au milieu de tout ça? Qu'est-ce que l'on peut encore faire? C'est pour ça que je me suis repliée de manière un peu désespérée, comme avec l'amour désespéré de le comte Sponville, qu'il dit que, finalement, quand on n'a plus d'espoir, c'est là qu'on devient libre. Parce qu'on est libéré de toute forme de calcul, de vouloir aboutir, contrôler, aboutir à tel. Donc, c'est apprendre à s'en remettre. Et à s'en remettre, d'une certaine manière, Rada, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à une autre situation de Rainer Maria Rilke. Alors, je me permets de la lire, parce qu'on est en terre de Rainer Maria Rilke. Car c'est presque de l'importance d'une religion d'avoir compris ça. Il le dit à propos dans ses notes sur la mélodie des choses. Donc d'avoir compris qu'une fois qu'on a découvert la mélodie à l'arrière-plan, et là j'espère que la mélodie ce ne sera pas simplement le bruit des canons, on n'est plus indécis dans ses mots, ni obscur dans ses décisions. C'est une certitude tranquille, née de la simple conviction de faire partie d'une mélodie, donc de posséder de plein droit une place déterminée, et d'avoir une tâche déterminée au sein d'une vaste œuvre où tous se valent, le plus infime autant que le plus grand. Ne pas être de trop est la condition première de l'épanouissement conscient et paisible. Et la musique nous apprend l'écoute, écouter ce que chacun, la voix de chacun, qui peut lui donner et lui permettre de trouver sa place, et ne pas être dans cette folie de vouloir simplement supprimer l'autre. Merci Marie-Laure. On va revenir à la musique tout à l'heure. Hein. Moi, je voudrais juste dire à Rada que c'est absolument magnifique, le poème qu'elle a écrit, qu'il est magnifique interprété dans les circonstances où elle se trouve, que c'est le plus beau et le plus fort des messages qui pouvait vous être transmis par rapport à la situation. Dominique Bourg, on va parler de votre livre qui s'appelle « Une nouvelle terre », mais vous en avez un autre qui s'appelle « Au cœur des années, affreuse, sale et méchante », en parodiant Scola. Alors je me suis dit que, quand même, Dominique Bourg, cette année, 2023, alors il avait de la matière. Alors, elle a commencé déjà en 2022, la matière, oui, oui. Elle était déjà là, évidemment, avant. Il suffit de penser au conflit ukrainien. Au Moyen-Orient, mais effectivement, là, on a un conflit qui s'est déclaré encore plus près, aux portes de l'Europe, auquel, en octobre, si je vous avais dit en octobre 2021 qu'il allait y avoir une guerre aux frontières de l'Europe, personne ne l'aurait cru. On ne s'y attendait pas du tout, à telle enseigne que quand Poutine a commencé à amasser 150 000 hommes à la frontière de l'Ukraine, tous les pays européens, Zelensky lui-même, non, il ne fera pas la guerre. Ben, non, on y est. Et alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est faire un lien entre cette guerre-là et effectivement la situation générale qui nous échoit en termes de, si vous voulez, de dérèglement climatique, de dérèglement écologique. Ben, il suffit de voir aujourd'hui, on est le 10 octobre. On est à quoi? 500-600 mètres 400-500 mètres. Et vous voyez la température qu'il fait. Et alors j'espère qu'on ne va pas vivre l'hiver qu'ont vécu les gens de l'hémisphère sud. Hein. J'ai eu des pointes à 40 durant leur hiver. Hein, pas dans l'air tropical, plus au sud. Et donc, alors sur un plan strictement scientifique, on ne peut pas dire qu'on ait un emballement en termes de chaleur moyenne. On reste, hein, on est, alors si on prend sur 10 ans, on est à 1,2, mais cette année, de janvier à septembre, on est à 1,4 degrés au-dessus des températures pré-industrielles. 1,4 degrés, c'est presque 1,5.
Je vous rappelle qu'un 5, c'était l'objectif qu'il ne fallait pas dépasser au terme des accords de Paris sur le climat. Et si vous voulez, donc là, ça va vite, mais on reste dans ce que les modèles nous racontaient. En revanche, les expressions du dérèglement climatique, que sont les méga-feux, que sont les inondations hors normes, que sont les vagues de sécheresse, que sont les vagues de chaleur, que sont les grêlons hors normes, que sont les cyclones dont la plupart maintenant se trouvent au minimum en bas de la catégorie 5, quand ce n'est pas aux limites d'une catégorie encore inexistante qui serait la catégorie 6. Là, en revanche, les expressions du changement climatique, eh bien, elles, depuis quelques années, très particulièrement l'an dernier et cette année, on est largement au-delà de ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire qu'on est confronté à des phénomènes auxquels on s'attendait, disons, au mieux au mi-temps de ce siècle, c'est-à-dire dans une trentaine d'années, et au mieux et au pire à la fin de ce siècle. Et là, c'est quand même une violence vraiment énorme, une destructivité énorme, et tous les experts s'accordent pour dire que dans la décennie, à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, nous ne sommes très probablement plus en capacité de produire la nourriture suffisante pour 8 milliards d'êtres humains. Mais cette inhabilité de la planète, est-ce qu'elle est réversible ? Alors, cette inhabitabilité, si on regarde que le climat, il y a une réversibilité, mais qui est relativement courte. Je vais vous en donner quelques éléments. Le climat d'aujourd'hui, c'est nos émissions cumulées jusqu'à il y a 20 ans. En d'autres termes, aujourd'hui, l'humanité, la part la plus riche de l'humanité, a déjà décidé du climat que nous aurions dans 20 ans. Hein, il y a 20 ans d'inertie. Maintenant, imaginez qu'on devienne raisonnable et que l'on arrête nos émissions, en tout cas qu'on les réduise très très rapidement. Eh bien, alors, on n'aurait pas d'effet avant une vingtaine d'années. Au bout d'une vingtaine d'années, on aurait quand même une redescente de la température, mais pas du tout jusqu'à l'état antérieur. Dans 10 000 ans, on aura encore 35% des gaz à effet de serre qu'on a envoyés dans l'atmosphère qui seront encore. Lorsque on a dépassé un point de bascule au Groenland, en Antarctique, même si progressivement la température redescend, on aura une fonte jusqu'au bout. Donc là, on est dans des irréversibilités, si vous voulez, qui vont entre les décennies et les millénaires. On est en train de réchauffer l'océan. L'océan absorbe 90% de la chaleur liée à l'effet de serre d'origine humaine. Eh bien, ce réchauffement de l'océan, il est parti pour des milliers d'années. Et d'ailleurs, cet été, c'est très étonnant, ça, c'est le seul point vraiment absolument inquiétant. En fait, à partir du mois d'avril, la température qui mesure, mais alors vraiment tout l'océan Atlantique a pris l'ascenseur à partir de la fin avril. Et on a un écart qui est quasi équivalent entre la courbe de l'an dernier et la courbe de cette année, équivalent aux hausses successives des 20 dernières années. Donc ça, c'est très inquiétant. On saura dans quelques années si c'est un signe de tendance ou si c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Il y a des explications de façon plus conjoncturelle. On le saura plus tard. Donc là, on a une irréversibilité qui n'est pas très drôle, mais au pire, on aurait un long Moyen-Âge et on pourrait s'en sortir. En revanche, si on laisse aller trop loin les choses en termes de climat, pour l'heure, le climat, c'est la troisième raison de destruction du vivant sur Terre. Or, nous sommes des animaux. Là, on s'en rend compte par les temps qui courent, mais pas au même sens du terme. Nous sommes des animaux et nous sommes interdépendants des autres animaux. Et donc, si on détruit beaucoup trop la biodiversité, alors là, oui, on va très sérieusement compromettre la possibilité de vivre sur Terre. Et là, on la compromettrait pour un temps très, très long. Là, ce qui nous arrive en termes de destruction du vivant, c'est d'une rapidité folle. La toute dernière extinction, celle des fameux dinosaures, sans laquelle nous ne serions pas là, hein, puisqu'elle a permis aux petits mammifères de prendre la place de ces grosses bêtes qui étaient les dinosaures, bon, c'est une trentaine de milliers d'années, si vous voulez, la durée de la destruction.
Nous, en quelques décennies, on a fait disparaître, déjà on a affaibli la quasi-totalité des populations sur Terre. Mais en termes d'espèces, on n'a encore renié que quelques pourcents, mais à une vitesse folle. Et les autres extinctions avant, elles pouvaient durer sur des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Là, nous, on est dans l'express, hein. Et donc là, effectivement, si on détruit, si le climat, le dérèglement climatique devient la première cause, et si on détruit une grande part du vivant, alors oui, il n'y a pas tellement d'espoir. Ce qui fait que, de manière non cynique, j'ai envie de vous dire, pourvu que ça s'accélère, que cette espèce folle qui est la nôtre prenne des baffes telles qu'elle se calme, qu'elle s'assagisse, qu'elle laisse le reste du vivant vivre. Et c'est un espoir, une espérance même, pour l'humanité future. Et quand pour l'instant, cette humanité, elle continue à croire à la croissance, elle continue à croire au progrès technique, elle pense que ce seront toutes sortes de moyens qui vont nous permettre de nous en sortir. Alors, c'est assez amusant, mais je ne comprends pas pourquoi on continue à raconter des billevesées pareilles. Même l'Académie des technologies française, c'est franchement pas des irrationalistes, hein, ni, si vous voulez, des gauchistes ou des écolos. Eh bien, même eux disent, mais arrêtez, on ne peut pas faire face aux difficultés qui sont les nôtres avec des techniques seules. Et ce sont les techniques, parce qu'elles nous permettent, comme à la guerre, elles nous permettent une destructivité plus forte, mais contre toute la nature, qui nous ont amenés là où on est. Ce n'est pas en les renforçant, ce n'est pas avec une fuite en avant qu'on va résoudre nos problèmes. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se mettre tous à quatre pattes et brouter l'herbe. Il n'y a pas d'humanité sans technique. Mais ça, on peut peut-être un peu le développer. Les techniques que nous avons développées, nous, sur la base des connaissances, nos connaissances scientifiques, elles ont vraiment permis deux choses. D'amplifier des flux au point de détruire les stocks. Une grande partie de l'eau, ce qu'on appelle l'eau bleue, l'eau qui est disponible pour la vie sur Terre, on l'a fait repartir dans les compartiments salins. On a épuisé la quasi-totalité, enfin, on a utilisé au moins aux deux tiers, la quasi-totalité de toutes les nappes qui sont sur Terre. On a réduit des lacs, des mers, comme la mer d'Aral. On a réduit le flux d'énormément de fleuves. Il y a beaucoup de fleuves aujourd'hui. Le Colorado, par exemple, qui n'arrive pratiquement plus à la mer. Donc on a détruit le stock eau. On a détruit le stock carbone. On est allé chercher dans les poubelles de la biosphère. On l'a collé au milieu du salon, à la joie et avec les applaudissements de tout le monde. On a cassé les stocks en matière d'azote, en matière de phosphore. Et puis pour ajouter tout ça, on a accumulé des molécules de toutes sortes dans les milieux. Bon, je vais donner un exemple, plastique. Alors ici en Suisse, on aime bien le domaine de la banque. Hein. Eh bien, sachez que vous êtes vernis. Parce que chaque semaine, chacun et chacune de vous dans cette salle ingère l'équivalent en poids d'une carte bancaire. Ça ne vous rend pas plus riche, hein, les amis. Bon. Et donc, on a accumulé des microplastiques dans tous les êtres vivants, dans tous les milieux. Encore une fois, on est une drôle d'espèce. Ça, c'est ce qu'ont donné nos techniques. Et nos sciences nous permettent de comprendre ça et d'en avoir une idée. Donc, continuer la fuite en avant dans cette direction, et je donnerai un contre-exemple, ben, je ne vois pas en quoi ça pourrait nous sortir d'affaire. Par ailleurs, comme vous le savez, un des traits des 30, 40, 50 dernières années, c'est que c'est compliqué, parce que par certains côtés, il y a pas mal de gens qui ont été arrachés à la misère, hein, toutes les classes moyennes des pays émergents, mais en même temps, à l'échelle de la Terre, si vous voulez, les écarts de richesse se sont vraiment accélérés. Et en termes de PIB, ils se sont terriblement accélérés, d'ailleurs. L'écart de PIB entre, je ne sais pas moi, entre le Zimbabwe et puis le Qatar ou le Luxembourg, j'avais mesuré ça il y a quelques années, ça a peut-être un peu changé, mais c'était entre 1 et 428. Si vous regardez l'histoire du monde jusque vers la fin du XVIIIe siècle, ben, entre une région pauvre et une région riche, là on pouvait le mesurer, là il y avait de la monnaie,
eh bien, on était entre 1 à 2, 1 à 3. Vous m'avez entendu, on est entre 1 à 428. Donc ça n'a plus rien à voir. Et puis, si vous voulez, si je regarde en fait la destructivité de l'humanité, alors il y a des questions démographiques, mais elles sont non négligeables pour les histoires de biodiversité, mais de manière générale, la destruction de l'habitabilité de la Terre, c'est plutôt lié au flux d'énergie et au flux de matière. Et comme à l'échelle du monde, c'est toujours 80% de nos énergies pour l'énergie primaire qui est d'origine fossile, quand vous mesurez les émissions de quelqu'un, vous avez son niveau de richesse. Or, les 10% les plus riches sur Terre, c'est-à-dire 800 millions, dont 8 millions de Suisses, émettent à eux seuls entre 37 et 45% des gaz à effet de serre mondiaux en une année. Et les 50% les plus pauvres sur Terre émettent entre 13 et 15% des gaz à effet de serre mondiaux. Donc, nous ne sommes absolument pas égaux. Et nous avons laissé aller un égoïsme forcené qui a fait exploser nos inégalités. Et l'explosion des inégalités est en train de ruiner partout les démocraties. Parce que la croissance, c'est du bien-être, c'est de l'emploi et c'est de réduire les inégalités. Or, on fait exactement le contraire. On fait l'inverse. Alors, la croissance, c'était du bien-être, disons, jusqu'au début des années 70. Mmh. La croissance, si vous voulez, de l'après-guerre jusqu'au début des années 70, pour l'Europe, les États-Unis, l'Australie, le Japon, c'est essentiellement une production d'infrastructures. C'est des appartements plus grands, bien chauffé, salubre, n'est plus obligé d'aller aux toilettes à moins 30 degrés dans une cahute au fond de la cour, etc. C'est des services publics qui fonctionnent, c'est la mobilité, c'est le début d'un certain type de communication plus facilité avec le téléphone, etc. C'est toutes ces choses-là. On est vraiment sur les infrastructures. Depuis le début des années 70, on n'est plus du tout sur les infrastructures, on est sur la production de petits objets. Je pense que tout le monde en a fait l'expérience. Quand vous passez de l'iPhone 14 à l'iPhone 15, c'est le nirvana. Vous n'avez jamais été aussi heureux. Et j'espère que vous en êtes persuadé. Alors, détruire la planète pour passer de l'iPhone 14 à l'iPhone 15, il faut vraiment que notre espèce soit stupide. L'espèce humaine, c'est rentemplant sur Terre. C'est l'espèce, passez-moi l'expression, mais qui défecte dans sa niche. Mais quand même, système informatique, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est quand même... Alors l'intelligence artificielle, c'est excellent. Si on en continue le mode de développement, ça va rendre tout le monde con. Bon, c'est franchement pas un progrès. Si effectivement, une intelligence, ça se cultive. C'est comme le corps. Hein. Effectivement, on nous a donné toutes sortes de prothèses qui nous aident. Et du coup, il faut faire du sport si on ne veut pas devenir totalement obèse et impotent. Ben, l'intelligence, c'est rigoureusement pareil. Si vous êtes en permanence assisté par une intelligence artificielle, ça m'étonne que vous compensiez ça en lisant intensément 6 heures par jour de la philosophie. J'ai quelques doutes. Ça va faire comme pour le corps. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film là, des studios Pixar qui s'appelait Wall-E. Je vous le rappelle, le film commence, on est dans une station spatiale. Évidemment, la Terre est un tas d'immondices, il n'y a plus personne. Donc ce qui reste d'humanité est dans une station spatiale. Et on voit que des gros et des grosses, derrière leur console, hilares, qui ne sont plus capables de bouger de leur chaise et qui, en termes de mobilité neuronale, sont au même niveau. Et c'est un petit robot, Wall-E, qui part sur la Terre pour essayer de la rendre à nouveau habitable. Donc non, je ne pense pas qu'on s'en sorte avec ça, si vous voulez. Si effectivement tous les gamins font leurs devoirs et leurs dissertations avec ChatGPT, c'est pas sûr qu'ils sachent rédiger, qu'ils sachent réfléchir et qu'ils développent vraiment un esprit critique. Et le système informatique ? Alors, ce que je dis là, je ne suis pas évidemment contre l'informatique. Je suis ça mange beaucoup d'énergie et beaucoup de matériaux. Mais en fait, si vous voulez, les progrès sont quasi systématiquement ambivalents. Je pourrais vous donner des cas techniques qui sont beaucoup moins ambivalentes, mais en général, sont très ambivalents. Et le problème des nôtres, c'est qu'on ne développe pas les choses, si vous voulez,
pour nous rendre heureux, pour améliorer notre confort. On développe les choses pas pour que l'économie tourne. Et donc, par exemple, la manière dont on a développé les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est en train de détruire la démocratie. Je ne vais pas faire de politique, mais je vais quand même en faire un petit peu, mais je vais me situer très loin. Comme ça, ça ne vexera personne dans cette salle, mais je suis désolé, mais pour voter Trump, il faut vraiment en vouloir. C'est vraiment un salopard, ignare, un méchant, qui n'adore que les dictateurs, qui méprise tout ce qui est démocratie, qui est capable, à côté de Poutine, de dire qu'il croit plus en Poutine qu'en ses services, qui a été élu probablement grâce à Poutine, c'est donc une forme de traître, et vous avez la moitié de l'électorat américain qui le suit. Ça ne marche pas sans les réseaux sociaux. Et on sait d'ailleurs qu'ils ont joué un rôle, que les trolls russes ont joué un rôle non négligeable dans sa propre élection. Donc si vous voulez, tout ça, ce n'est pas contre l'informatique, mais quand on a une visée purement commerciale des techniques et des savoirs que l'on met au point, ben finalement, l'effet, il n'est pas un effet, si vous voulez, qui améliore vraiment la situation de la société. Un pays comme les États-Unis, c'est un pays aujourd'hui qui est vraiment au bord de la guerre civile. Et on le voit dans leur Parlement. Moi, je suis franco-suisse. Franchement, la France, quand vous y retournez, j'y retourne quand même de temps en temps, l'atmosphère est inquiétante. On sent qu'il y a une espèce de violence. Alors elle est aussi beaucoup plus rendue possible par les réseaux sociaux. Le principe de l'anonymat sur les réseaux sociaux, et on sait très bien, alors là, la Commission européenne est en train d'essayer de lutter contre cette chose-là, mais on sait très bien que, par exemple, ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous pouvez diffuser de la haine, diffuser du mensonge, sans aucune responsabilité. Donc vous voyez très bien qu'est-ce qu'a fait Musk quand il a racheté Twitter. Il a réouvert tout ça. Il a supprimé tout ce qui était modération parce que c'est plus rentable. Voilà un exemple très clair du fait que la rentabilité peut s'opposer de manière frontale à une société équilibrée. Et moi, je ne retrouve plus la société que j'ai connue, disons jusqu'au début des années 70, avec des démocraties solides, avec une information commune à l'ensemble de la population, avec un respect, il ne faut pas trop en demander aux êtres humains, mais en tout cas, effectivement, on se respectait plus d'une formation politique à la formation adverse. Et moi, je suis un démocrate. Je sais que dans une société, il y a une diversité qu'on ne peut pas réduire. Donc je n'ai pas la bêtise de penser que parce que je suis à droite ou parce que je suis à gauche, l'autre en face est nécessairement un crétin. Maintenant, j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup de crétins des deux côtés. Mais bon, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ça fonctionnait. Et on voit que ça fonctionne de plus en plus mal. Et que plus on accumule les moyens d'information, moins on a une information de qualité. Hein ? Quand vous avez un système marchand de l'information, ben voilà, vous avez des chaînes qui ne fonctionnent que parce qu'elles visent un certain type de chaland et que parce qu'elles diffusent un type d'information cadré, calibré pour le chaland en question. Sur Fox News, vous vivez dans un monde alternatif. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais à un moment donné, Fox News avait raconté qu'il y avait un attentat en Suède et tout de suite Trump avait fustigé le gouvernement suédois. Il n'y avait pas d'attentat en Suède. Mais pour le monde des trumpistes, et pour ceux qui écoutaient Fox News, il y a toujours eu un attentat en Suède. Donc comment vous voulez avoir une démocratie dans ce cadre-là ? Ça n'est absolument plus possible. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas que des problèmes écologiques. On a bien une forme de logique marchande qui nous emmène à ces problèmes écologiques et qui est en train de, détruire, en tout cas, vraiment abîmer très fortement les systèmes politiques qu'on avait fini par mettre au point, et non sans difficulté, qui n'étaient pas totalement idéaux, mais qui, par rapport à ce qu'avait été l'humanité, c'était franchement pas mal, les amis. Hein. Mais avez-vous quand même quelques lumières ou quelques lueurs d'espoir dans ce apocalypse? Ça va vous étonner, mais oui. Oui, j'ai été lueur d'espoir. Je pense qu'il y a en ce moment,
sous nos pieds des mouvements de fond qui sont très proches de ce que nous a raconté Radha dans sa chanson et son poème. En fait, si vous voulez, c'est compliqué de dire ça, mais je vais devoir aller un peu, si vous voulez, en taillant les choses à coups de serpe. Hein. Mais disons, il semblerait que l'humanité ait pris un tour, disons, assez violent à compter de ce qu'on appelle la révolution néolithique. Alors je précise tout de suite, hein, la révolution néolithique, ce n'est pas 1789. Hein. Ça dure à peu près une dizaine de milliers d'années. Donc, confortable, les amis. Hein. Bon, premièrement. Et eh bien, finalement, à l'issue, parce que ce n'est pas le cas tout de suite, on parlait tout à l'heure avec Radha de guerre. Par exemple, vous prenez la civilisation du Rubanais, elle allait du Dniepr à l'Atlantique. On est déjà dans le néolithique. Et on vit là pendant 8 siècles sans guerre. Il y a des villes où vous n'avez pas de place d'armes, pas de temple, pas de forteresse, pas de palais. Et c'est déjà des villes avec des milliers d'habitants. Et il est fort possible qu'il n'y ait pas eu de guerre avant le néolithique. Pas une certitude absolue, mais c'est assez probable. Et pendant les débuts du néolithique, il y a des endroits où on n'a pas de guerre. Ça, en revanche, c'est beaucoup plus sûr. OK ? Et donc, le néolithique va voir émerger 3 types de domination. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient totalement inexistantes avant, mais elles se diffusent, elles se renforcent, elles se durcissent. Et je vais commencer par une domination, alors qui, elle, apparaît vraiment avec le néolithique, celle-là, c'est sûr. Elle n'existe pas avant. Et c'est l'agriculture. Alors, déjà, si vous voulez, avant le néolithique, hein, quand on est... c'est compliqué parce que tout d'abord, les populations, enfin des populations deviennent sédentaires. Ce n'est pas l'agriculture qui a rendu possible la vie sédentaire. C'est la vie sédentaire qui a rendu possible l'agriculture. Si vous êtes sédentaire, vous allez cueillir sans cesse les mêmes plantes. Et à force de les cueillir pendant des siècles et des siècles, ça a bougé leur physiologie et ça les a rendus beaucoup plus aptes ensuite à l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est quoi ? Et au début, on la pratique de façon dilettante. C'est une des sources de nourriture parmi d'autres. Puis à un moment donné, il y a une espèce d'effet de cliquet. On ne peut plus revenir en arrière. Avant le néolithique, au mieux, je dis bien au mieux, mais je pensais beaucoup moins, vous aviez peut-être 15 millions d'âmes sur la terre entière. C'est-à-dire à peine plus que la Suisse. Sur la terre entière. Au début de l'ère chrétienne, il y a déjà 350 millions d'êtres humains. D'accord ? Et probablement, c'était plutôt 2-3 millions. Assez disséminés. On sait qu'il y avait déjà justement des êtres humains on a pas attendu Christophe Colomb pour qu'il y ait une colonisation de l'Amérique. On en a maintenant les preuves. Et puis, pendant une dizaine de milliers d'années, toute cette humanité va aller dans la même direction. Ils ne se concertent pas, ils ne se connaissent pas. Et à peu près partout, en tout cas à 4 endroits différents, avec 4 foyers natifs, on va inventer l'agriculture. Et l'agriculture, c'est quand même bizarre, parce que l'agriculture, c'est juste une seule espèce sur une surface. Alors, au début, elles ne sont pas très grandes, mais on va finir par les agrandir. Alors aujourd'hui, hein, ça peut être gigantesque. Un champ, pour employer ce mot-là. Donc, nos aïeux sont quand même, nos ascendants sont quand même bizarres. Ils pouvaient se retourner partout, ils regardaient une prairie naturelle, ils regardaient une forêt, etc. Ils voyaient qu'il y avait plein d'espèces. Eh bien, non. Moi, je suis un bipède. C'est moi le plus fort. Tu vas pas rigoler, mais tu vas me cracher la nourriture. Et une seule plante, sur une même surface. Ça nous a nourris, vous avez vu la démographie, mais ça fragilisait les sols, ça les épuisait. Il fallait donc, on laissait repartir les friches, etc. Tant qu'on n'était pas nombreux, ce n'était pas un problème. Après, on a inventé au Moyen-Âge des techniques d'assolement, etc. Mais par exemple, à la fin de l'Empire romain, les terres européennes sont très épuisées. Comme par miracle, il y a une espèce de peste qui emporte une grande partie de l'humanité, donc on va s'en sortir. Mais, et donc, c'est quand même bizarre l'agriculture. Et vous rajoutez à ça l'élevage.
ça arrive après en même temps. Alors là, c'est bestiole, tu rigoles plus. Fini la liberté. Un enclos. Et t'es de la viande sur pâte pour moi. Donc si vous voulez, même je simplifie, hein, c'est un peu plus compliqué, mais disons, le néolithique, c'est je suis le bipède. Tout le monde se tasse. Vous me pehissez à partir de là. Donc, volonté de domination de la nature. Or, ce qui est très intéressant, c'est que qu'il y a des peuples qui avaient inventé déjà autre chose. Je vais vous donner un exemple. Les Mixtecs, Mexique, peuple lié aux Aztèques. Et les femmes, vous allez voir pourquoi c'est très important que ce ne soit que les femmes. Les femmes pratiquaient ce qu'elles appelaient la milpa. C'est-à-dire, derrière la maison, une petite surface avec de multiples espèces. Ce qui permet, sur une toute petite surface, d'avoir un rendement complètement fou. Donc là, on a une manière de produire de la nourriture qui ne prend plus la nature de front, mais qui joue sur la complémentarité entre les plantes et les plantes et les animaux. On réinvente ça dans les années 30 avec l'agroécologie, ça se développera beaucoup plus, alors avec Holmgren en Australie dans les années 70, avec Fukuoka au Japon dans les mêmes années, et on va inventer cette idée de reproduire, on n'invente pas en fait, elle existait déjà, mais elle était très minoritaire, de reproduire la nature en jouant avec elle et non plus en la dominant et en s'opposant à elle. Vous regardez la question des inégalités. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la civilisation du Rubanais. Effectivement, il y avait déjà des inégalités. On a on sait que dans certaines sociétés paléolithiques, il y avait des moments de l'année où les gens se rassemblaient. Et là, on a retrouvé des tombes, etc. Il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. Mais le reste de l'année, tout ça repart, se rediffuse dans le paysage, et avec des petits groupes non hiérarchiques. Vous voyez, les choses peuvent être assez compliquées. Mais au bout du compte, s'imposent les empires agraires, s'impose l'esclavage, s'imposent les guerres. Et tout ça, vous l'avez compris, c'est masculin. Et justement, on ne sait pas s'il n'y avait pas de patriarcat avant, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est sûr que ce modèle s'est durci, il s'est imposé. Et donc vous avez une triple domination qui s'est imposée, domination de la nature, domination des riches sur les pauvres, quitte à les rendre esclaves, et domination des êtres masculins sur les êtres féminins, des hommes sur les femmes. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, ces trois dominations sont en train d'être détricotées à une échelle très lente, fine mais relativement profonde. Ce que je veux dire sur la permaculture, c'est énorme. Là, on a une technique qui n'est pas comme les autres techniques. Une technique qui joue avec la nature, qui ne s'oppose plus frontalement à elle, qui n'est pas violente, qui joue. Et on entend très bien que, ben oui, on doit laisser à la nature sa part, 10 à 12% des récoltes. Ce que d'ailleurs l'agriculture traditionnelle faisait elle aussi avant les pesticides. Sur la question des inégalités, vous avez vu que ça redevient très vif, le débat sur la question des inégalités. Et on a une jeunesse qui est très tendue sur cette question, à raison. Et on est en train de comprendre que si on ne resserre pas les inégalités, ben c'est pas la peine qu'on parle de démocratie. D'ailleurs, vous prenez un Elon Musk, vous prenez un Peter Thiel, eux, ils vous disent que la démocratie, c'est fini. Thiel, le copain financier de Musk, c'est lui qui crée ses îles pour milliardaires. Et dans ces îles, on a prévu, ces îles artificielles, hein, on a prévu que les gens qui vont servir, qui sont pauvres, ont un bracelet, de telle sorte que si on se révolte, on les tue immédiatement. Et si jamais il y en a quelques-uns qui réchappent, de toute façon, on détruira toutes les réserves de nourriture sur l'île. Sympa, monsieur Thiel. Et Musk est beaucoup plus copain de Poutine que de Biden. Et regardez du côté des femmes. Toutes nos jeunes femmes ici vont sur effectivement la question féministe, mais regardez, c'est universel à nouveau. Regardez les femmes iraniennes. Regardez leur courage. Beaucoup plus dur pour les femmes afghanes. Mais elles n'acceptent pas non plus la condition qui leur est imposée. Et j'aime toujours beaucoup donner cet exemple, ce qui se passe par exemple au Brésil. Le Brésil, vous savez, il y a 200 peuples amérindiens. 200 peuples. Les récentes élections législatives, il y a maintenant un an, eh bien, jusqu'à l'an dernier, il y avait eu un élu amérindien, indigène, un seul. Et tout avait été fait pour qu'il soit viré. Ses petits copains députés
avait réussi. Là, sur les 50 candidats, qui étaient pour l'essentiel des candidates, il y en a plus de 20 qui ont été élus. Et les, si vous voulez, beaucoup de peuples amérindiens aujourd'hui, 1 sur 10, sont dirigés par des femmes caciques. Ça n'existait pas dans la tradition. Si certains ont étudié les Lévi-Strauss dans leur jeunesse, vous vous souvenez, hein, chez les Lévi-Strauss, les femmes sont monnaie d'échange. Le référentiel culturel est un référentiel exclusivement masculin. Une cacique, ça n'a aucun sens. Donc vous voyez que là aussi, ça détricote. Il y a déjà un nouveau monde qui est sous nos pieds. Alors, vu la position des virilistes aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, il ne va pas éclore tout de suite. Mais il finira par émerger. Voilà ma touche d'optimisme. Est-ce qu'il va émerger parce qu'il y aura une rupture violente ou par une lente évolution ? Ben écoutez, très franchement, j'espère me tromper, mais très franchement, je pense que la rupture violente, on a tout fait pour qu'elle soit là. Je pense qu'on est allé très très loin dans les dégradations écologiques de manière générale. Le meilleur référentiel que vous avez, c'est le référentiel des 9 limites planétaires. Hein. On en a explosé 6 sur 9. On en a une 7e qui concerne l'acidification des océans, qui est sur le point d'être dépassée. Et en fait, si on met en relation acidité des océans et les micro- et nanoplastiques dont je vous parlais tout à l'heure, il y a déjà un étau qui se resserre sur la vie marine, qui est en train de détruire la vie marine. On sait que que la couche d'ozone, on a des travaux, on vient de nous apprendre qu'il y avait à nouveau un immense, ça c'est un étonnement quand même, mais j'en sais pas beaucoup plus, un immense trou. Et on sait que le trafic aérien qui essaie d'augmenter est un facteur de destruction de l'ozone stratosphérique. Troisième limite qui n'était pas déplacée, c'est celle des aérosols. En fait, non, les aérosols ont déjà des effets très négatifs. Par exemple, on sait qu'ils perturbent complètement la mousson, mais comme la mousson n'est pas globale, on ne peut pas parler d'une limite planétaire globale. Donc, on a mis la planète dans un état lamentable. Elle est en voie, je ne vais pas développer les histoires sur la chaleur humide, etc. M'amenez pas là-dessus, c'est une vraie marotte. Mais si vous voulez, on sait que la partie habitable de la Terre est maintenant dans une dynamique de rétractation. Et donc avec une population du milliard. Donc je ne vois pas, moi, un avenir pacifique. Et vu ce que sont les êtres humains, vu les types de régimes qu'ils ont mis en place, je pense plutôt que ce qui va nous arriver, et moi c'est comme ça que j'avais interprété la guerre d'Ukraine, pour moi la Russie, vous avez vu que les Russes, les Russes, les Chinois, etc., ils ont une partie du sud global avec eux, on casse l'ordre international. Alors il y avait des injustices dans l'ordre international, mais dans l'ordre international, il y avait quand même, c'est vrai, comme disait le père de Camus, il y avait une forme d'empêchement. C'est ce qu'on appelle la morale, c'est la règle d'or, c'est tu ne tueras pas. Ça n'a jamais empêché les hommes de tuer. Mais c'est quand même un frein énorme. Et chaque fois que vous avez un régime délirant, la première chose qu'on fait, c'est vous casser ce frein. OK ? Et là, c'est ce qu'ils veulent. On casse le frein. Il n'y a plus de droit international. Il n'y a plus de cour pénale internationale. C'est ça qu'ils veulent. Laissez-nous tuer en paix. Vous voulez ça ? Dans le monde qui arrive ? Et pour moi, la guerre d'Ukraine, c'est Poutine. Il dit, voilà, tous les États vont s'affaiblir. Il va y avoir un désordre énorme. Allez, hop, moi, j'avance mes pions et j'y vais. Je tue et je commence. Aujourd'hui. Je commence par les Ukrainiens. Marie-Laure. Je te vois accablée, Marie-Laure. Si on parlait... Il y a de quoi l'être, vous ne l'êtes pas. Quelle est ta réaction et le retour à la musique? Oui, non, mais pas directement à la musique, parce que ça peut paraître un peu absurde et un peu ténu et un peu limité. C'est très important, là, encore une fois. La musique, c'est un des rares liens où, tout en acceptant la différence d'autrui, on peut partager. La musique, vous n'avez pas plus démocrate que la musique. Je respecte que tu es autre et j'ai plaisir à t'écouter. Toi qui es autre, qui ne joue pas, qui ne chante pas comme moi. C'est génial, la musique.
Et c'est pas un peu dans le sens de la relation. C'est tout à fait. Merci de Marie-Laure. De prendre à nouveau de dire je suis désolé, ce que je voulais dire. Marie-Laure, c'est pas grave, Marie-Laure, l'essentiel, c'est que ce soit ton dit. Combat, c'est quand même le lien avec la relation. Oui. Tout ce qu'on vient d'entendre là, c'est quand même la fin de la relation. Comment vois-tu les choses? C'est effectivement accablant. Et finalement, cette remontée au néolithique, au fond, c'est pas étonnant que les guerres aient commencé par là. Parce que le néolithique, c'est pas simplement la domination de la nature, mais c'est la nécessité de posséder le territoire. Et donc, la grande thèse de Rousseau. Ah bon, excusez-moi. Oui, non, c'était même pas moi que j'ignorais. Les grands esprits se rejoignent, si je puis dire. Mais donc, effectivement, on s'est de plus en plus focalisé sur le matériel, sur le pouvoir, sur la domination. Et si j'ai répondu, malgré tout, malgré toute mon ignorance et toutes mes limites, à ton invitation, c'est que tu m'as encouragé à dire que malgré tout, il fallait trouver les voies de sortir de ce matérialisme-là et tâcher d'imaginer une voie vers l'immatériel. Quelle est la meilleure manière de le faire, pour le faire, que par la musique? Et c'est pour ça qu'effectivement, comme tu l'as dit, la musique est ce qui permet d'abord de comprendre qu'effectivement, on a besoin de plusieurs notes pour faire une mélodie, donc on a besoin de la diversité, qu'on a besoin d'accorder ces notes entre elles, et qu'effectivement, on arrive à créer des symphonies et on arrive à se retrouver. Donc ça veut dire que la possibilité existe. C'est pas, on n'est pas condamné à s'entretuer tous. Donc la question. Merci. Oui, c'est tellement banal, mais il faut parfois le rappeler. Donc effectivement, Mais comment y arriver? C'est pas le tout de savoir que c'est possible. Il faut savoir aussi quel pas faire dans cette direction. Et d'une certaine manière, j'avais l'impression que les rencontres Orient-Occident, c'est dans l'ADN des rencontres d'établir ce dialogue entre pensée et art, et en particulier la musique. Et comme vous le savez, toutes nos rencontres sont conclues par un concert qui est vraiment la démonstration, puisque c'est le fruit d'une résidence d'artistes qui dure 10 jours, et en 10 jours, ils arrivent à harmoniser toutes ces voix. Donc là aussi, ça le montre. On le poursuit avec la fondation Yehudi Menuhin, qui sont aussi des tas de jeunes qui viennent des quatre coins du monde et qui arrivent à s'entendre et à se parler et à communiquer grâce à la musique. Donc c'est cette voix qu'effectivement... je trouve qu'il est important. Et puis, une autre raison, et ça, l'Orient le dit beaucoup plus que l'Occident, et le pratique beaucoup plus avec sa musique que l'Occident, la musique est la voix de l'âme. Et d'une certaine manière, on voit bien toute cette domination, c'est Prométhée qui veut tout dominer et mettre... Et maintenant, avec le transhumanisme, c'est pire encore. C'est l'homme roi, l'homme qui a non seulement tué Dieu, qui est en train de tuer l'humain, parce qu'on voit que l'humanisme disparaît de plus en plus. Donc, effectivement, c'est totalement absurde. Mais la seule manière pour moi d'en sortir, je fais mon coming out, si j'ose dire, c'est par la spiritualité, par quelque chose qui nous dépasse, par quelque chose qui nous permette de sortir de notre bulle, que ce soit une bulle individuelle ou collective, nationale ou autre. Donc voilà pourquoi la musique. Moi, je vous propose qu'on ait l'avis de Rada. On vient de parler du rôle de la musique, du rôle de la spiritualité orientale. J'aimerais que tu me donnes ton avis. Oui, bien sûr. Avant tout, j'aimerais bien vous raconter après la chute de la monnaie au Liban. Comme une artiste, j'avais une intuition de recourir à une nouvelle monnaie et je ne savais pas comment faire. On a un terrain dans le village et j'ai planté 3000 mètres d'ail. Et avec cet ail, j'ai commencé à payer
chez le coiffeur, aujourd'hui, j'ai été chez le coiffeur et j'ai payé 1 kilo d'ail. Et il était ravi. Et ça, c'est une façon de se révolter, de trouver une immunité humaine pour qu'on puisse continuer. Et c'est une façon de dire il y a des solutions, autres solutions que l'on nous montre dans le YouTube ou bien dans les médias ou bien on peut trouver nous-mêmes des solutions, mais personne ne nous donne une possibilité. Et maintenant, puisque c'est la situation partout devient terrible, peut-être c'est le moment où l'humain doit se contempler, comme vous dites, Monsieur Bourque, c'est le temps de recontempler, de se recontempler. Et voici, j'ai essayé de faire de créer un nouveau vocabulaire pour cette soirée. À la recherche d'une nouvelle société, loin de l'apartheid, du sectarisme, du capitalisme, de l'invasion, de la violence, de l'injustice, de la bêtise généralisée, de la destruction, de l'inaction des citoyens, du manfichisme de la politique. Avec un nouvel alphabet et un nouveau vocabulaire, improvisé de la vie au Liban, mais qui peut être utile pour nous tous dans le monde. Première idée, c'est la voix avec X, la voix avec E, et le mot soprano. Pour une soprano et un professeur de chant qui vit au Liban, j'aime m'introduire comme un soprano lyrique qui vit dans un pays dramatique et qui utilise sa colère pour chanter et trouver des solutions à nos problèmes quotidiens à travers la musique. Il y a beaucoup de négativité dans le monde qui fait que la positivité devient nécessaire pour survivre. Évoluer au-delà de la banalité du quotidien et son matérialisme, et pouvoir continuer et rester sain à l'esprit et au cœur. Dans notre nouvelle société, la belle voie de nos jours, surtout en période d'effondrement, de haine et de guerre, c'est la voie qui perfectionne la logique des choses, qui aboutit à mettre l'humanité, son respect et ses droits en premier plan. C'est une voix audacieuse, c'est la voix du juste et de la vérité, c'est la voix de la personne responsable, sage et noble, c'est la voix qui est en harmonie avec son environnement et qui est curieuse de connaître beaucoup plus l'autre. Et j'ai fait aussi un parallélisme entre les instruments et les cultures. L'écart de ton qui relie les musiques arabes, turques, arméniennes, juives, kazakhs, ouzbeks, certaines musiques afghanes ou iraniennes, ou encore les musiques des Balkans, grecs, yougoslaves et bulgares, par le lien des instruments traditionnels tels que le oud, le kanoun et le naï, n'ont pas pu lier ces sociétés par le lien de la langue. Chaque pays a sa propre langue et tradition, même si les instruments de musique ont à peu près les mêmes noms, comme tambourine et drums, adapu tabalu chez les Assyriens babyloniens, et chez les Juifs araméens, ce sera la tibella et le tof, et chez les Arabes, table et daf. Dans notre société, dans notre nouvelle société, je ferai beaucoup plus de dialogue entre ces différentes cultures et surtout en musique. Un autre parallélisme entre la solitude et le silence. Le silence pour la musique est ce qu'est l'ombre à la lumière. La solitude de chacun de nous a une valeur intrinsèque et est respectée tout comme le silence dans la musique et a la même valeur que les paroles, les dialogues et les mélodies. La solitude, silence, devient notre contemplation. Et comme vous dites, Monsieur Bourque, on doit apprendre à recontempler. C'est l'autre face de la note de musique. Ce qui n'est pas dit,
mais qui est aussi précieux que la mélodie. Durant le confinement, tout le monde a vécu un rythme lent avec beaucoup de silence. Il y a plein de gens qui n'ont pas su comment gérer ce silence forcé. Faut-il une nouvelle pandémie pour nous pousser à penser sérieusement de notre futur humain? Le langage musical ouvre la possibilité d'un langage plus riche, ancré dans la méditation et la réflexion, qui ne serait pas forcé par des pandémies, virus ou gouvernements en déroute. Parfois, on se demande, à quoi ça sert de cultiver son jardin ou d'être lui-même cultivé? À quoi ça nous sert de développer un esprit critique, une sensibilité à notre environnement et à le connaître, à se connaître et connaître les autres dans un pays où le collectif des humains et les politiciens ne voient pas l'importance de ce verbe et même travaillent en contre-courant et surtout qui nous oblige à céder à la médiocrité des solutions et à accepter notre triste destin. Une note seule, ronde, liée à une autre note sur quatre longues mesures et suivie d'un silence sans écho. C'est moi, à Beyrouth, une note exilée dans mon propre pays et qui travaille à réinventer l'espoir avec quelques autres notes qui me ressemblent dans ce monde. Il y a plein d'autres. Si vous avez envie de que je continue, je continue. Merci beaucoup. Encore le temps pour des questions ou pas? Oui, oui, on a le temps pour des questions. Est-ce que vous pouvez mettre un peu de lumière, si c'est possible, pour qu'on puisse voir qui souhaiterait poser? Merci infiniment. C'était magnifique. À poursuivre. Quelqu'un veut-il... Enfin, vous voulez poser des questions, je suppose. N'hésitez pas à le faire. Oui, je vous en prie. Moi, j'aurais une remarque. Vous ne pensez pas qu'un discours... Ah, pardon, il faut parler là-dedans. Vous ne pensez pas qu'un discours trop alarmiste conduise à un climat de défaitisme? Moi, je pense surtout à la nouvelle génération. Hein. Finalement, à force de dépeindre la catastrophe, la sinistrose, ça mène à l'inaction. Foutu pour foutu, autant en profiter... Et puis un certain individualisme, et ça peut même amener à des conflits sociaux, parce que finalement, quand il n'y a plus de respect, quand on devient trop individualiste, les autres ont tort. Et moi, je dois dire, je suis assez inquiet de ce discours qu'on entend maintenant, un discours vraiment très, très, très alarmiste. Enfin, les scientifiques devraient toujours dire, voilà, si les choses ne changent pas, voilà ce qu'il risque d'arriver. Et quand il y a un risque, on doit prendre des mesures. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait pas. On voit tous les jours qu'il y a des surprises. On parle beaucoup, par exemple, du climat. On peut avoir tout d'un coup, par exemple, une éruption volcanique qui peut changer complètement les prévisions qu'on fait. Donc il faudrait être beaucoup plus humble. Mais moi, encore une fois, c'est ce discours un peu alarmiste qui m'inquiète, mais qui ne m'inquiète plus pour nous. Nous... Pour les jeunes. On s'en fout. Alors, on s'en fout pas, mais on attend, pour nous, c'est trop tard. Mais pour les jeunes générations, je pense surtout à eux. Oui, non, mais là, vous avez raison de penser aux jeunes générations. Alors, cela dit, si on avait même une éruption énorme d'un volcan, comme il y en a eu, hein, par exemple, je ne sais plus, parce qu'il est imprononçable. Non, mais celui qui avait explosé 10 ans avant 89, la révolution de 89, en fait, qui a enclenché plusieurs années de famine. Il y a eu le Tombora aussi au début du XXe siècle, etc. Donc, mais si vous voulez, c'est une perturbation forte pendant un an ou deux, une queue de comète pendant quelques années, et c'est fini. Ça n'a rien à voir avec ce que l'humanité a émis, si vous voulez, pendant des décennies. Alors, effectivement, vous avez raison, il y a vraiment toujours des surprises dans l'histoire. Mais sur la base physique du monde, malheureusement, il n'y a pas de surprise. Ce qui nous arrive aujourd'hui, les premiers modèles climatiques, c'est 62. Mais bien entendu, 62. Ça fait plus de... Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans qu'on a des raisons fermes de penser qu'on va là où on va. Si vous regardez le rapport du GIEC de 2007, on vous dit déjà vers 2020, nous aurons les premiers méga-feux. Et on a eu les premiers méga-feux vers 2020. Donc ne nous rassurons pas à bas prix. Maintenant, le fait qu'effectivement, c'est toujours compliqué parce que jusqu'alors, on ne peut pas dire que ça effraie les gens. Ils ne bougent pas.
Ils ne veulent pas bouger. Alors c'est peut-être compliqué d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment à faire un déni. Vous avez un sondage qui est paru en mois de mai dernier. Enfin, ce n'est pas qu'un sondage, c'est une enquête sur la perception du climat dans 30 pays pendant 4 ans. Je vous donne un résultat. 9% de la population vous dit qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. C'est comme un platiste. Hein. Et moi, je peux vous dire la Terre est plate. Hein. Bon, là, c'est bon carrément pour l'hôpital hein, psychiatrique. Après, vous avez 29% des gens qui vous disent il y a bien un dérèglement climatique, mais nous n'y sommes pour rien. Ça revient à peu près aux 9%. En termes d'action publique, c'est la même chose. Alors, et pour les autres, on est passé en 4 ans de 69 à 63%. Qui vous disent il y a bien des règlements climatiques, et je ne parle que le climat, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a, les hommes, ils sont bien pour quelque chose, donc on est content, on se dit, ah ben, ils vont peut-être accepter, ah, mais, ne nous ennuyez pas avec ça. Donc si vous voulez, alors, est-ce que ça veut dire que c'est du jugement, c'est compliqué, peut-être que ça veut dire aussi que c'est peut-être aussi une forme de panique, que c'est un déni, et le déni en général précède la colère. Et j'ai peur que beaucoup de complotistes, quand ils vont en prendre plein la tronche, ne se mettent en colère et ne reprochent à ceux à qui ils auront demandé de ne rien faire, de ne rien avoir fait. Mais vous avez raison, c'est toujours compliqué avec ce discours. Si on, moi, je l'ai enseigné pendant des années et je vous rassure, je n'ai aucun médecin du CHUV qui soit venu me trouver en me disant « J'en ai marre, encore un fou qui vient de chez vous. » Et donc, je faisais toujours très attention à ménager une part de lumière pour qu'on ne se laisse pas enfermer dans l'ombre. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Mais si vous voulez, à la fin... Enfin, je suis plutôt jeune, hein. Comme vous, j'arrive un peu vers la sortie. Et là, vraiment, ce que je sais, ce que je vois, vraiment n'est pas rassurant. Et je ne peux pas avoir un discours rassuriste qui va encore renforcer les gens dans le fait qu'ils ne veulent pas entendre. Alors j'aurais envie de vous dire que, comme l'écrivain Amitav Ghosh, hein, écrivain d'origine du Bangladesh, vivant aux États-Unis, nous sommes possédés. C'est-à-dire qu'on est en proie... Je vous disais tout à l'heure, le néolithique, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et qui, pendant 10 000 ans, vont tous dans la même direction. C'est très étonnant. L'humanité est très, très étonnante. Tout à l'heure, je parlais de rentemplan. On est un peu plus qu'un rentemplan, je vous rassure. Mais on a ce côté rentemplant. Et là, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme une espèce de trend qui nous emmène à l'abattoir. Et ce n'est pas facile. Si je pointe trop l'abattoir, ben je peux abattre avant même d'y arriver. Et effectivement, ne pas donner l'envie du sursaut. Si je minore, alors là, je sais que rien qui se passera. Et donc, on est toujours sur ces histoires-là, vous avez totalement raison, on est toujours sur la corde raide. Et j'ai le problème avec mes enfants. Moi, j'ai 3 enfants, je les ai eus tard, ils sont relativement jeunes, ils sont autour de 24-25 ans. C'est vraiment pas simple pour eux. Autre question ? Si je peux aussi apporter juste un complément. C'est vrai qu'effectivement, la situation paraît sans issue. Donc, il semble qu'on aille droit dans le mur. Mais, comme vous dites, il faut laisser la place à l'imprévu, et puis il faut se demander aussi comment finalement tenir debout au milieu de tout ça. Comment ne pas se laisser abattre et, d'une certaine manière, prendre tous ces dysfonctionnements, voir qu'ils remontent à nos difficultés de nous entendre entre nous. Pourquoi cette société industrielle qu'on n'arrive pas à freiner? On est peut-être dans le Titanic et peut-être qu'effectivement on n'arrive plus à le diriger.
et qu'il est très difficile de revenir, parce que c'est pas le tout de revenir à plus de sobriété. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui perdent leurs emplois dans les industries? Qu'est-ce qu'on fait de la répartition des fruits qui seront peut-être du coup moins importants? Donc, ça nécessite de mettre en chantier effectivement d'autres modes, peut-être à travers des gousses d'ail, à travers d'autres choses. Mais à mettre en chantier de nouvelles inventions sans forcément espérer, sans plus attendre un système qui nous tomberait du ciel. On a compris avec la chute du mur de Berlin que tous les systèmes qui voulaient globaux, qui voulaient instaurer un monde meilleur ne fonctionnent pas. Pour moi, la seule solution, c'est d'une certaine manière, de chacun trouver sa voie intérieure, être fidèle à sa voie intérieure, être libre intérieurement et s'en remettre. Je ne sais pas, ça ne sauvera pas le monde, mais... Attendez, il y avait une question là-bas d'abord. Hein. Je crois qu'il y a une... J'aimerais bien revenir à l'aspect de la croissance, en fait, parce que en fait, dans tout le monde, c'est clair, au quotidien, on est toujours là, il y a une consommation et tout, mais si je ne comprends pas trop, dans tout le monde, soit en Asie, soit ici, en Afrique, tous les économistes, ou plus que 90% certainement, ils sont absolument sûrs qu'il faut avoir une croissance. Même une croissance d'1%, il y a ce fameux exemple, si on met juste un franc sur un compte à l'année zéro, avec 1%, on aurait plus d'argent que dans tout le monde actuellement. Et avec le Covid, on avait appris qu'une croissance d'1%, c'est même trop. Mais comme ça, mais tous les experts disent quand même qu'il faut avoir une croissance. Donc pour moi, la première chose, ça serait d'accepter aussi qu'une croissance n'est pas possible à l'infini. Et ce que je trouve un peu bizarre, que même tous les experts disent encore que ce soit nécessaire. Et eux, je suis sûr qu'ils savent calculer. Donc soit ils ne prennent pas ça comme vérité, ou soit il y a juste une communication différemment, parce qu'autrement, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et merci. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait changer, qu'il y a une acceptance qu'une croissance n'est pas plus possible. Merci, ça c'est pour toi. Oui, alors, très, très rapidement, on ne peut plus dire, si vous voulez, tous les experts. Hein. Disons, on serait en 2009, 2008, vous auriez raison. Depuis, il y a quand même toute une jeune génération qui est arrivée, de jeunes économistes, et qui ne sont plus du tout sur cette longueur d'onde-là. Du côté, si vous voulez, des experts en environnement, vous n'en trouvez aucun de sérieux qui vous dise que la croissance peut continuer telle qu'elle existe. Donc une croissance matérielle, des flux de matière, des flux d'énergie, qu'elle puisse continuer indéfiniment. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on raconte au Conseil fédéral, je suis d'accord, c'est pas ce qu'on raconte à l'UBS, mais disons, l'idée, elle s'est imposée dans la partie sérieuse du monde. Si vous regardez l'Agence européenne de l'environnement, si vous regardez même d'une certaine manière, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a quand même demandé au gouvernement allemand de réduire de façon substantielle ses émissions. La Cour suprême de Hollande a intimé l'ordre à l'aéroport de réduire ses émissions et le gouvernement rachète des fermes trop émettrices en carbone. Et du coup, ça a suscité un parti très populiste qui est en train de prendre l'ascenseur pour aller contre ces mesures. Lisez le remake de Laudato Si par le pape là, qui vient de paraître. Vous aurez la même chose, etc. Non. Il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'effectivement, c'est une absurdité. Mais c'est sûr, tous ceux qui ont les mains sur les manettes économiques et politiques, eux, continuent leur petite chanson. Une question là, et après, c'est à toi. Hein. Et puis après, ça sera à vous. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Je suis d'accord avec le monsieur qui a fait la première intervention que cet alarmisme ne va dans aucune direction, mais surtout le transmettre la peur, c'est encore pire. Je pense qu'il y a une loi que les scientifiques n'expliquent pas. C'est la loi, le deuxième principe de la thermodynamique, et l'entropie augmente toujours. Donc, grâce aux musiciens, on sera sauvés. Parce que les musiciens sont le sel
de notre planète. Et pour faire une bonne soupe, il ne faut pas non plus beaucoup de sel. Merci, madame, de votre intervention depuis le Liban. Et je suis sûr que si nous tous, on descend sur les places et dans les rues à chanter, les guerres peuvent se terminer. Merci beaucoup. Juste, Jacques, le micro. Voilà. Merci. J'ai deux ou trois choses à dire, mais brièvement. À propos de l'alarmisme, je regrette au fond qu'il y ait des termes déjà comme ça. Quand on parle d'alarmisme, c'est comme si on dit « attention, vous pourriez vous noyer » alors qu'on a déjà à peu près l'eau à la hauteur du nez. Bon. Il faut les mobiliser, il faut faire du terrorisme institutionnel, il faut faire du terrorisme judiciaire qui modifie, par exemple, la position du tribunal fédéral qui continue à penser que le réchauffement climatique n'est pas une cause urgente. Il faut pas inquiéter les jeunes, mais leur donner les moyens de faire contrepoids aux grandes évolutions qu'on vient d'évoquer, notamment le mythe, le fantasme de la croissance, etc. Mais moi, j'ai trois choses à dire. La première, c'est qu'il est important d'avoir un esprit explorateur. Quand j'entendais Dominique évoquer Trump, je me dis, je pense au sport. On est dans une machine médiatique du sport partout, avec toute une machine économique liée au sport, liée aux équipements, qui n'a plus rien à voir avec une discipline d'exercice qui met en relation les gens. Mais c'est la performance. Et je trouve que Trump est un sportif du mensonge et il a des fans à peu près aussi stupides que parfois souvent les fans du sport de masse dont on nous remplit l'espace médiatique et probablement un peu les neurones. La deuxième chose, c'est à propos du lien qu'on a évoqué, que Dominique aussi, je crois, a évoqué, entre l'approche que nous avons du vivant depuis le siècle dit des Lumières et la justice sociale. Lévi-Strauss, en 1958, a écrit une phrase que je répète tout le temps, mais pas tout à fait textuellement, mais enfin, elle est tout à fait juste. C'est que nous, donc les humains, avons commencé par nous donner le culot de tracer une frontière à l'intérieur du vivant en séparant l'animalité de l'humanité. Et dit-il, avec une inspiration absolument visionnaire, puisque nous nous sommes donné ce culot, nous utiliserons le même culot pour déplacer le curseur à l'intérieur de l'humanité de telle sorte qu'il y aura, et nous y sommes, une minorité possédante corrompue et une majorité asservie démunie. C'est le même lien, c'est-à-dire que si j'aime, je révère poétiquement les pâquerettes, eh bien j'aime mon voisin. Il l'a écrit en 1958. Et la troisième chose, c'est pour faire une sorte de conclusion personnelle sublime, c'est-à-dire que je me dis en écoutant Gada, que la voix d'une chanson, d'une chanteuse, ou la musique plus largement, aide pas seulement en tant que telle à nous rendre peut-être meilleurs ou à adoucir les mœurs, comme on disait, mais à ce que les auditeurs qui saluent cette musique se parlent entre eux. Du point de vue de l'auditeur, c'est extrêmement intéressant. On se parle. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est que vous vous parlez. C'est magnifique et que nous pouvons nous parler. Et puis la troisième étape, je saisis au bon la référence de Rainer Maria Rilke que Marie-Laure avait citée. Dans les lettres à un jeune poète, il dit « Nous avons peut-être besoin de porter secours aux choses terrifiantes ». Je trouve ce renversement, magnifique. Alors, quelles sont les choses terrifiantes maintenant? C'est le climat, mais c'est aussi les opposants ou ceux qui font le déni intellectuel et discursif de la catastrophe climatique.
comment leur parler en leur portant secours et par les agressants. Il faut trouver la manière de ce secours, de faire les TCS, des imbéciles ou des bloqués. C'est tout un programme, mais c'est une piste intéressante. Voilà. Merci à toi. Je crois que là, il... Oui, mais je voudrais juste revenir 30 secondes sur la question, si vous voulez, alarmisme. Parlez pas d'alarmisme face à une situation alarmante, on parle pas d'alarmisme. Il y a un alarmisme quand on exagère la situation objective. On fait simplement que de l'analyser et de l'exprimer, il n'y a pas d'alarmisme. Ça, je pense que c'est une mise au point qui me semble extrêmement importante. Voilà. Et puis si je pourrais juste rajouter, oui, on peut se dire ça vaut plus la peine, alors autant profiter et après moi le déluge. C'est possible. C'est possible, mais on peut avoir une autre réaction, de se dire comment être, réagir humainement et pouvoir enfin accomplir notre véritable humanité qui est dans la relation, la poétique de la relation. Alors, d'abord, j'aimerais juste demander à cette merveilleuse chanteuse, qu'est-ce que c'est que ce portrait qui est derrière elle ? Voilà, ça c'est la première. Voilà, j'aimerais savoir si c'est un portrait qui, enfin, d'elle ou bien, voilà, ce portrait qui se trouve derrière vous. Est-ce que tu as entendu la question ? Non, non. Alors la question est, mais qu'est-ce que ce portrait qui est derrière toi ? Quelle est sa signification ? Qui l'a fait ? C'est un portrait de toi. Ah. Oui. C'est moi qui chante. C'est un ami de la Jordanie, un Jordanien, un peintre, qui l'a fait. Et au fond de la peinture, il y a une de mes chansons écrite qui est collée à la peinture. C'est une très belle peinture. Et puis, je terminerai en citant notre grand poète de la musique avant toute chose. Et Dostoïevski qui a écrit « La beauté sauvera le monde ». Voilà ce que j'avais à dire. Il y a une question de monsieur. Et madame. Merci. Merci. D'abord, je vous remercie infiniment tous pour cette extraordinaire conférence. Et puis, ce que j'aimerais simplement dire, en changeant alors complètement de façon de voir les choses, je vous inciterai à aller vous acheter des chaussures. Parce que je crois qu'il faut qu'on aille manifester notre mécontentement et le fait qu'il faut absolument changer les choses. Merci. Mais c'est pas le tout de dire et de sentir qu'il faut changer les choses. Il faut tous réfléchir à savoir quel petit pas, comment faire. Parce que montrer l'exemple, mais même pas tout seul, on ne sait pas. Donc... Juste encore une courte question. Moi, j'ai aussi 3 enfants comme vous. Et comment vous allez réussir de les rendre quand même positifs pour la future ? Est-ce qu'il y a des choses à entendre ou à montrer ou comment on peut les motiver sans qu'ils soient trop déçus et trop pessimistes ? Si vous voulez, rapidement, ils ne sont pas idiots du tout, pas plus que les vôtres et que les enfants en général. Donc, en plus, si... ont une bonne formation scientifique, ils connaissent très bien l'état du monde et ça les inquiète. C'est donc pas en racontant des bobards que ça changera quoi que ce soit. C'est effectivement essayer de montrer, alors ce que j'ai un peu essayé de faire, mais apparemment ça n'a pas marché, qu'il y a quand même des pistes. Mais l'histoire, elle bouge lentement. Moi, je pense qu'on est, si vous voulez, on va prendre une telle claque que il va y avoir comme une espèce de mutation qualitative de notre manière d'être ensemble. En tout cas, c'est une espérance. Et là, mes enfants la partagent. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'était exactement le sens de mon intervention. Je me disais que, tout d'abord, j'ai le sentiment que les jeunes aujourd'hui ont une conscience environnementale qui est tellement plus développée que celle que nous avions à leur âge. Et qu'une piste d'espoir, c'est précisément ça. Et c'est aussi l'éducation, la formation. Et ce sont probablement eux qui vont sauver le monde. Enfin, je pense que c'est à nous de transmettre
non pas l'angoisse, mais de leur transmettre les valeurs qui vont être nécessaires pour aller de l'avant. Mais je pense que le salut va venir de la jeunesse, et moi j'ai beaucoup beaucoup d'espoir. Je n'ai pas d'enfant moi-même, mais j'ai énormément d'espoir dans la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, ou question ou appréciation. Moi, je partage en tout cas ce constat d'un collapse hein, de notre civilisation. Je l'appelle comme ça, on l'appelle aussi souvent comme ça. Ce qui me frappe toujours quand même, c'est que d'un côté, j'entends cette indignation, cette colère qui gronde à l'intérieur de tout un chacun qui amènerait à des réactions assez fortes, et c'est très bien. Mais d'un autre côté, je suis toujours étonné qu'on sous-estime au fond que nous sommes qu'une espèce parmi d'autres soumise aux lois de la nature. Et que la nature, elle est infiniment plus puissante que tout ce qu'on va pouvoir faire. Et au fond, là, personnellement, je suis dans un processus d'acceptation, d'accueil, j'ai envie de dire, de ce que la nature, elle aussi, va composer, parce qu'elle va nous auto-réguler d'une certaine manière. Je pense que les changements climatiques, et on a parlé d'un volcanisme, bien sûr, ça va aussi réguler notre espèce. Il faudra l'accueillir parce que c'est neutre d'une certaine manière. Et ça va faire mal, ça va faire très mal. Et je pense que oui, on va quelque part à un abattoir. Comme médecin psychiatre, je vois beaucoup de personnes de tout âge, jeunes et moins jeunes, qui désespèrent hein, dans cette situation, aussi par la dégradation de notre système social. Hein. Et la question, c'est effectivement comment les aider. Et dans ma pratique, on a toujours tendance à avoir recours soit à des médicaments, la chimie, soit à une sorte de résolution de problème par l'analyse, par une sorte de prise de conscience et par des actions. Moi, je pense qu'on doit aussi développer beaucoup plus une sorte de cœur spirituel. Et ça ne passe pas par le cerveau uniquement. Ça passe par des expériences de vie. Personnellement, je pense au minimalisme et à la pratique d'un rapprochement avec la nature qui, elle aussi, a beaucoup à nous enseigner. Mais ce n'est pas un enseignement intellectuel, c'est un enseignement par le ressenti. On a parlé de la musique, évidemment, c'est très important. Je pense qu'on doit toucher notre civilisation. On doit la toucher en profondeur, mais avec un aspect spirituel pour créer une forme de changement dans notre manière de vivre et d'apprécier les choses. On va peut-être vers l'abattoir, c'est vrai. Moi, je ne pense pas que ça va durer encore 30 ou 40 ans. Je pense qu'on va le vivre, nous, ici, présents. Mais par étapes, hein, j'entends. Mais par contre, je pense qu'on peut aller dans ce sens avec un peu plus de joie et de paix intérieure en recréant des liens. Merci. Totalement à l'unisson. Je propose que nous puissions conclure avec Rada. Rada, je t'ai observé pendant toute cette heure. Je te dis, tu as des soucis, mais tu n'as pas de contrat. Tu es professeur de musique. Tu es dans un pays qui est déchiré. Tu es à la veille d'événements dont on ne sait pas jusqu'où ils iront. Tu as observé et tu as une espèce de tranquillité dans le visage qui est stupéfiante. Explique-moi. J'essaye de trouver une balance et c'est très facile de le faire quand on vit seul, surtout dans cette situation. Je n'ai pas beaucoup de... ma famille, elle ne vit pas au Liban, donc je suis seule ici. Je n'ai pas de soucis pour elle. Je me sens légère à cause de cela. Bien sûr, j'ai beaucoup de soucis et je pense à tout ce qui va se passer ces deux jours, ces trois jours. Et je pense aux gens et aux massacres qui se passent chez les voisins.
j'ai fait un... Je ne sais pas comment je garde ce calme, mais peut-être parce que je parle le langage de la musique, ça m'aide, ça me détend. J'ai le cours à Bach quand je m'énerve, ça me donne un équilibre extraordinaire. Je me réjouis d'être avec des musiciens collègues à moi. On est en train de trouver des solutions alternatives à tout ce qui se passe avec nous. Je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de travail, mais je sais que si je travaille comme il faut dans ma tête, je vais trouver des solutions et on va s'en sortir. Donc, j'essaie de laisser l'équilibre ici. Merci beaucoup. C'est vraiment ça. Ici et ici. Les deux. Merci à toi, merci à vous. Et puis, les rencontres Orient Occident continuent, demain, après-demain, jusqu'à samedi, alors, dimanche. Alors, une chose, n'oubliez pas qu'il y a une librairie juste à côté où vous pouvez acquérir les livres des différents auteurs qui sont venus, et vous pouvez vous les faire dédicacer aussi, saisissez cette occasion, puis surtout les relire après, parce qu'on est loin d'avoir tout compris en une fois. Vous pouvez aussi réécouter toutes ces manifestations sur YouTube, si jamais vous avez l'impression de ne pas avoir tout compris. Et puis demain... pour continuer, merci. Demain, pour continuer dans cette perspective malheureusement des crises que nous traversons, traverser la crise a même les fêlures, comme si finalement la fêlure peut être une ouverture. Donc merci. Il ne faut pas désespérer. Merci et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci, Gada. Merci. Bye. Merci.